notre sort fanatique, barbare d'un islam corrompu, périront dans les flammes les mécréants confondus. Salafistes, écorchons les sourates du Coran, accablant, salissant la voix des musulmans. Ils revendiquent et sont fiers d'assassiner leurs frères en route vers l'Occident, répandent le feu et le sang. Quelle honte de crier à la Wahaba. Politique étrangère, criminelle en cravate, cupide dans les affaires d'un charnier qu'ils exploitent au diable la charia. Si vous avez de l'argent, distribution de kalach au Kadima de l'Orient. Lavage de cerveau en mode chair à canon, propagande de la peur et radicalisation. Un voyage en enfer pour nos enfants des cités, périront en martyrs, brûleront la liberté. Brûle la liberté. Je sais, la peur ne passera pas. Que ce carnage cesse, n'abreuvons plus les garde-fous de Daesh. Je sais qu'il faudra se donner du mal pour repousser la démence de cette cabale infernale. Unissons-nous pour que ce carnage cesse, n'abreuvons plus les garde-fous de Daesh. Je sais qu'il faudra se donner du mal pour repousser la démence de cette cabale infernale. On parle d'au moins 40 morts pour ces différentes attaques perpétrées aux abords du Stade de France en marge de la rencontre France-Allemagne en match amical et dans Paris, dans le 10e arrondissement et dans le 11e arrondissement. Le 11e arrondissement où a lieu actuellement une prise d'otage à l'intérieur du Bataclan, cette salle de concert dans laquelle avait lieu un concert ce soir qui se jouait à guichet fermé. Il y aurait donc...